Bonjour, bonsoir, c'est émission l'interview qui est entrée la caillou. Je dis à Napo se voit Peterson en ténor. Il est en formation en psychologie et il travaille surtout avec monde qui retrouve dans divers quartiers défavorisés et côté phénomène insécurité et particulièrement violence à Taï Banda. Namdi Peterson, bienvenue sur plateau émission l'interview. Bonjour Naïma et merci parce que vous accueillez. Et bonjour tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, au soir moun kap suiv sur les réseaux sociaux. Moi content et là avec nous pour ti parler ça, ti causerie ça autour de justement moun kap vive dans quartier défavorisé. Donc n'a pral vraiment faire un bel ti causé sur ça. Dis-nous ben non plus idée, plus détail parce que Jean nous t'a dit dès le début on travaille avec Mounsayo, on connaît quotidien yo et surtout par rapport avec phénomène violence là. Oui oui, et me travaille dans milieu hospitalier avec des parents surtout qui sont dans divers quartiers défavorisés yo entre guillemets parce que on a parlé de défavorisés, faut faut mettre ça entre guillemets parce que et vraiment, c'est son concept pour prendre avec oui, Pincette. Justement. Et donc, c'est des mouns qui sortent La Saline, c'est des mouns qui sortent Cité Soleil, et Matissan. Et c'est des mouns, étant donné que le travail n'a pas fait son travail de prise en charge, c'est des mouns que nous en contact ensemble avec souffrance. Nous en contact ensemble avec désespoir. Nous en contact ensemble avec comment yo est la vie. Ou bien comment la vie a dégringolé matin, midi, à soir à partir des contextes et violences que nous vivons depuis dix d'antan, parce que depuis nous n'avons pas les violences ici en Haïti, c'est depuis dix d'antan, mais précisément dans la dernière année, ça nous sommes capables de dire depuis deux ou trois dernières années, ça et ça a intensifié. Vous comprenez? Donc, étant donné que moi, en face ensemble avec vécu ça, donc ça va monter l'idée sur comment yo vivre situation ça et gan pile témoignage tout gan et gan pile souffrance que moi rencontré. Donc n'après essayer ouais ça comment yo vivre situation ça surtout comment situation violence là li influencer et psychologie yo donc comment yo yé mentalement et comportement yo même et comment yo même influencer et ça a gagné en tant que moun. Et il y a des moun qui peut-être l'on a parlé de quartier ça yo, quand sur tout et sur réseaux sociaux yo, peut-être question gangsterisation ou gagné kounia et qui basé surtout dans quartier ça yo. Et il y a des moun qui a dit comment moun ça yo, même si yo pas dans quotidien, mais on a dit comment moun ça yo fait vivre avec tout ça yo là. Donc est-ce que ou gagner peut-être des témoignages Jean Abdi Nouan ou qu'a peut-être partagé et avec nous ce point ça. Bon en fait par rapport avec question ça comment moun sa yo fait vivre moi-même à chaque fois et moi rencontrer groupe et parents ça que m'a travaillé avec yo plusieurs ce sont des centaines que m'ai en travail parce que à chaque fois et nous prenons équipe et moi-même moi toujours montrer yo que yo c'est des moun qui fort. Premier bagaille moi la caillou c'est son force et parce que le à chaque temps nous commencer groupe là et puis il y a parlé me demande comment yo et puis il a dit mais ça y a vivre mais ça qui gagne et dans moment ça mais ça yo subi et me toujours dit ça me toujours dit et franchement moi me pensais que nous gagne en pile courage nous gagne en pile courage pour nous et vivre situation ça yo nous gagne en pile courage pour nous résister. Et vraiment, c'est des mondes que, en pile monde dans la communauté qu'on a pour eux ensemble avec des stéréotypes, des préjugés, mais c'est des mondes qui font. Et c'est des mondes, malgré la situation de violence, soit pour eux faire, ils perdent l'immunité, ça veut dire dignité. Mais c'est des mondes qui disent, c'est des mondes qui toujours ont espoir à la vivre, malgré, ou ont l'impression que l'État, que gouvernement en place là précisément ou bien que société a même marginalisé parce que c'est des mondes qui marginalisé c'est des mondes défavorisés entre guillemets dans quartier ça ou bien telle étiquette même ou, si peut-être étiquette au barreau pas pour vous vraiment ah ben absolument et absolument c'est des mondes
par exemple, c'est pas tout le monde dans quartier défavorisé qui bandit, qui volait, OK? Ça qu'a brivé, peut-être n'a pas parler de ça, au cap ouais en forme de complicité. Mm. Et la caille population ça yo avec et monde qui a armé yo, jeune garçon qui a armé yo. Mais là, si n'a pas mettre tout entre dans aspect ça parce que vraiment pour vivre dans milieu ça, est-ce que nous capable dit ou capable un rebelle par rapport, les me dit rebelle, comprendre bien dans contexte ça par rapport à monde qui gagne zam dans mais yo et comment ça y est. En fait, et moi-même par rapport ensemble avec ça moi comprendre de situation ça yo, moi remarqué que et moun sa yo moun kap viv nan kartye défavorisé ou pou la plupart, OK, parce que faut gen prudence tout, faut parler à nuance, OK. Pour la plupart, c'est des situations que y a subi, par exemple situation de violence, d'abord son situation que y a subi parce que à cause de l'état qui pas présent dans zone yo, nan niveau infrastructure, nan niveau pour et l'école, nan niveau santé, même manger. OK, gen des de l'autre groupe moun qui moun sa yo et yo gen zam nan men yo et nous tendez que moun sa yo présenté comme moun ka fè social, donc ka fè social, c'est-à-dire que yo supporté population réellement, même si c'est 100 goud ou soit 25 goud payer l'école pour ti moun, effectivement et moun sa yo yo fè yo ba yo manger tout en pile fois. Et donc à partir de l'état qui pas présent dans communauté ça, ou gen l'impression que moun sa yo yo vinn contrairement avec ça que tu as voulu vraiment accepter et domination ou soit pouvoir au monde avec un zam, parce que moi-même ça me comprend tout, c'est que monde avec zam ça yo yo dirigé par la terreur. Ça veut dire que gon forme de peur que qui institue dans la communauté ça yo, qui fait que c'est pas c'est vrai son complicité, mais c'est pas une complicité voulue, c'est une forme de En situation qui résignait, tout qui est en forme de soumission à l'autorité, voilà. Soumission à l'autorité, dans les gens... Mais les gens disent par la peur. Par la peur. Et en plus, soumission à l'autorité, faite par la peur, par la terreur. Nous songez, et Duvalier, qui c'est la dernière expérience dictatée nous vivons, et majorité dictateur, c'est par la peur l'irénie. Et donc, soumission à l'autorité, ça, on l'autorité qui est instituée. Autorité qui est illégale, bien sûr. Bien sûr, qui est illégale, mais une autorité qui gagne pile pouvoir. Justement. En pile pouvoir, pouvoir de vie et de et mort. Et de mort, oui, c'est ça. Parce que moun surtout, on ti jan krenan. Parce que moun nan ka retire la voix à n'importe qui moment, parce que c'est le qui chef, li gen zam nan men. Donc à n'importe qui moment, li ka décide faire répression sous famille ou peut-être. Sous famille ou, et pouvoir tout pour gérer conflit. Moi-même, par rapport avec des témoignages des parents, m'apprendre que des zones, si gon ti animosité avec un deux voisins, voisin yo d'abord yo gen pour yo wè chef zone nan d'abord avant yo relé autorité judiciaire, la police par exemple, parce que moun kap dirije zone nan faut que li même ki pou bo droit pour dossier ça pour li aller pour mandat aller ouais. Ça veut dire que il doit passer par autorité et moun sa que en pile fois yo relé chef gang et chef bandi chef donc pour montrer comment et population ça par exemple il est vraiment sous et vraiment soumettre ensemble avec le modèle d'autorité ça, mais c'est son complicité, mais son forme de conditionnement et son forme de résiliation aujourd'hui. Yo vinn non incapacité vraiment, incapacité pour faire face. Mais il y a des monde peut-être qui a posé question, a dit bon, c'était moi même qui était dans situation ça et m'ta résilien, me retirer comme dans zone là et gon paquet et gon paquet bay moun a dit peut-être les pas dans situation et il pas comprendre tout paramètre yo. Donc expliquez-nous qui réponse peut-être yo ba ou même tout qui vous t'a posé aux question ça, l'autre monde yo joindre qu'a posé aux question ça tout, mais pour qui ça nous rester là? Ah ben, yo rete là parce que en pile nan yo pa gen choix. Vous comprenez? Imaginez une famille qui li redil fon deux pièces caille sous nan cité de Dieu par exemple. Dernièrement, pendant m'a parlé de ça, gon parent qui vinn nan tête moi et monsieur yo té boulé caille là nan période de blozay en bas. C'est vrai, il était sorti, mais en après, il retourné parce que deux pièces caille ça, c'est réalisation la ville. C'est ça seulement li gen. Et yo pa kap vraiment aller on l'autre côté parce que qui programme logement social qui gen dans pays a. Et puis gon l'autre aspect en question,
non la pas bon la caïne toujours dit grand monde parita monde bon c'est un petit proverbe au soir et un petit parole qui est extrêmement important parce que me saute bien une qui t'a expliqué encore parce que à chaque fois m'a parlé d'une situation gien un gros exemple qui montait dans tête moi par rapport avec dernier ça qui passé Bel Air là dernièrement là et tuerie que tu gien entre et divers et groupes gang bon famille qui allait déplacer aller quand 11 000 et au bout de quelques jours la dim comment ils ont mis ça maltraité dans sens que vider de l'eau côté le condomi dans sens que jour et lit et comme si monde ça vraiment quitté même si c'est un des pièces caille même si c'est un pièce caille mais c'est caille pâle ça veut dire que ou pas jamais senti au pied à l'aise que la caillou même si ou ka questionner ça aurait les cailles là parce que question oui, habitant oui. Ici en Haïti son problème enragé ou ka questionner mais en fait c'est la caille oui. Il sentit la l'aise et moun sa ka pas accueillir par exemple avec et parents am songe a non moun nan li obligé quitter caille moun parce que li pas à l'aise avec ti moun ni pendant l'a subi en humiliation premièrement l'a subi en humiliation par rapport ensemble avec Jean l'État traitel parce que l'État vraiment non forme de mépris oui. Par rapport ensemble avec catégorie moun que nous dit qui défavorise ça yo moun dans quartier ça yo et puis mettre sous toute humiliation ça yo vinn joindre des moun soi-disant qui ouvrent les bras bah moun ça yo pour supporter yo, mais non mais c'est pas et non mais c'est pas moun nan pas à l'aise vraiment pour les caïmoun nan donc pour me retourner ensemble avec question là donc li pas facile pour moun nan déplacer aller en l'autre côté et même là encore t'es capable dit que moun nan t'es capable l'aspect ou répression tout qui compte gen nan et sujet am content de que moun yo et nous gagné même collaborateur nous ici dans la télévision pacifique nous compte même poser question ça tout des fois li montre que pression a fait sur moun yo et a déplacer pour garder ça qui nan mais est-ce que c'est quitter a quitter zone nan qu'il y a tout aspect ça yo qu'on vient mélanger dans sujet c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et m'gen des témoignages comme ça et des familles même Bel Air tout parce que comme c'est de Bel Air m'ta parler qui était envie sorti dans moment tuerie et que étant donné que gen des monde dans zone monde qui armé dans zone yo senti que c'est sorti famille a sorti et au bail des pressions on obligé aller quitter toute bagaille dans zone là. Parce que la population en tout, elle vient jouer un rôle de bouclier, justement, un peu. Justement. Un rôle de bouclier. Ouais. Parce que tout autant qu'il y a des populations civiles dans la zone, là, c'est tout autant que. Ou qu'on n'a pas qu'à intervenir n'importe qui façon, pour éviter dommages collatéraux. Oui, et c'est un facteur tout qui baille et monsieur, dame, bon, monsieur, m'a quoi, gen, bon, faites gain film, hein. Mais c'est en fait c'est généralement ce sont des hommes. Bon et à pile fois moun sa yo konn à partir de population permettre que yo fait cob tout parce que dans question son électorat par exemple important oui, c'est et vrai. Puis c'est vrai le plus souvent joine vraiment moun sa yo gain force yo tout sur balance électorale. Ah oui, yo gain force yo sur balance électorale là youn et puis moun sa yo c'est les bandi a fait quête par exemple si moun yo gen ti business ti bagaille non c'est non mais pour population hein, et li vraiment joue un rôle dans subsistance yo. Ça veut dire que bandi ou bien moun ki groupe armé yo pa ka vivre évoluer normalement jan bon en fait normalement m te ka di entre guillemets ou bien ouvert koyo si pa gen population yo pa capable comprendre. Nous parlons de l'autre aspect qui c'est violence à conséquence à gagner hein, sous psychologie mondiale. Parce que nous commençons à parler de ça quand même. Et sous psychologie mondiale, à comportement et monde qui vivent dans zone ça. Et violence là, et nous connaissons que les gens plusieurs et qu'il y a plusieurs conséquences sur le monde. Par exemple, si nous prenons un niveau psychologique un peu, et puis après nous prenons un comportement monde. Et li cap quitter des traumatismes qui vraiment important après des épisodes de violence. Vous comprenez épisode traumatisme yo c'est par exemple après et un envahissement un groupe armé vient envahir une zone par exemple, si on te cap prendre ça comme un exemple. Et bri intonation balio moun cap mourir yo.
et crie. Oui. Donc, parce que ça me changer mais c'est un bagage qui fait assez longtemps même pas c'était gagné une situation comme ça soit au niveau de martissant mais gagné un monde moi connais qui dans journaliste idée plein le petit ça va jamais sortir dans penser le a tout mon yo bribalio crime mon yo fait et jusqu'à présent ça arrêté c'est exactement ça nous relé un traumatisme parce que il rété parce que il tellement rété mon nan li capable revivre li à chaque fois c'est ça nous relé revivre sens là c'est bagaille qui ka fait mon nan et il a fait des cauchemars il pas dormi bien depuis li dormi c'est ça li wè devant li mon nan li gen doit arrêter comme ça regarder wè que la batte fort ouais il vient sursauter parce que événement ça qui sont événement qui drôle catastrophique que li vive dans li même et Livin vraiment chambardé et Jean lié comportement psychologique et ça fait est-ce qu'on pensait que nous dit nous on vit situation ça longtemps nous fin habitué est-ce qu'on pensait nous quand mettez moi habitué avec situation ça et comme si ça pas venir faire rien tellement ah tellement m'entendez tellement moi monde qui mourir devant donc ça pas venir trop bon mon n'a droit pas conscient de de impact ça vient faire la caille même dans niveau comportement ça qu'a brivé mon habitué vraiment parce que bon l'homme nous avons gros capacité pour nous adapter nous à des milieux des plus hostiles nous avons capacité ça comme être humain par contre et mon ça ne doit pas conscient que tout épisode violent ça que lui vive là qui genre lui changer comportement là lui-même par exemple comment il est capable de vivre violent lui-même tout comment si il y a des petits monde la pleuvé petit monde capable de vivre violent comment il vient sentir que et n'importe petit conflit n'importe petit sujet vient gon forme d'arrogance parce que tout ça ce sont les effets de la violence dont environnement qui est violent mais mon n'a doit dire l'habituel pas fait rien mais il pas conscient que comportement li gagne yo qui genre modèle rapport ensemble avec l'autre monde qui genre situation violence là li influencer modèle rapport avec monde modèle rapport avec propre tête li tout propre tête li dans sens que comment monde ça par exemple et li ka risquer pour comprendre comment monde ça le cap banaliser la vie il cap banaliser la mort oui c'est vrai pour comprendre donc c'est des bagages qui subtils que monde faut parler ensemble avec ou soit faut lui prendre temps pour lui vraiment réfléchir ensemble avec ça pour lui conscient que non pas gain un environnement violent qui pas gain des conséquences sur monde yo pas gain ça cap briver dont population en l'autre dont individu en l'autre ça a changé, ça a différent. Mais toujours, surtout dans un point de vue et psychosocial, ça veut dire, dans les gens qui ont la propre tête li avec l'autre monde, avec notre comportement, tout. Vous comprenez? Notre comportement. Et, on exemple, violence, ça, nous, qui vraiment est venu intensifier. Son violence et nous avons l'impression pas bien qui transférait de génération en génération dans quartier défavorisé yo c'est-à-dire que un petit monde allait qu'il est nous en 2020 et qui a vécu situation violence ça qui a regardé soit yon nan monsieur yo et dans zone ni et qui jan média adulé surtout sur réseaux sociaux yo comment moun ça par exemple dans complicité avec gouvernement k'a bal l'argent ensemble avec divers secteurs en vie nationale là mais qui jan ti moun ça li même l'après identifier ensemble avec personnalité ça yo et comme n'a parlé de catégorie moun m'a travaillé justement mon témoignage sur ça un parent qui étant donné que on toujours dit parents parce que justement c'est avec des parents de travail pour yo prendre en charge timoun yo et par grand parents on leur li vinn expliquer que le grand petit garçon 11 ans qui il était sur une plage gon monsieur qui a passé qui menaçait un monsieur qui a passé mais heureusement monsieur a connait parents et timoun 11 ans ti les anges. Donc ou konn ki jan ti les anges sa li menacé monsieur an li dit que c'est moins canel là oui. C'est moins canel là oui, t'allais me faire physio là et puis il pointé droite li sous li. Et donc monsieur an ki ça le fait courir aller relé maman pour lui dire ah il porter plainte
et parler petit garçon là parce que si m'bat connait à partir de ça le dit là mais ça m'ta fait mais ça m'ta fait donc c'est là ça m'a montré et parents ça comment et petit monde là identifier avec ah ben oui identifier la velle parce que matin midi et soir à une certaine époque beaucoup n'y a Arnel Joseph le pas parler de lui encore mais matin midi et soir c'était Arnel et yo parlé de lui bon c'est Arnel qui avec un zam qui a bail la terreur qui a tué moun qui a boy ici qui a bolot bon présenté chef là yo présenté le chef là ti moun 11 l'année ça il pensait que son bon modèle elle pensait oui. C'est maman qui parlait ensemble avec lui dit non ça l'a fait hein, c'est pas un bon bagay c'est vrai monsieur il a parlé de monsieur dans les médias yo c'est vrai ou gen impression que monsieur son un gros autobré bon monsieur quand un gros autobré vrai oui qui sait je sais pas avec toute influence tout pouvoir monsieur gen hein? Mais bon on aspire rapidement qui ça ça porter le monde gen sentiment de sécurité on nous parler de ça rapidement. Et qui ça s'apporte le monde gain sentiment de sécurité. Sont très belles questions, sont très belles questions qui permettent nous essayer aller même à l'origine de ça nourrir les sociétés là. Et ça veut dire un groupe individu et pas se mettre tête ensemble pour autour d'un contrat quelque part et puis qui dit mais côté n'a pas aller. C'est justement pour un désir pour une l'autre sécuriser l'autre pour yo sentir en sécurité. Parce que si nous faisons un petit tour derrière, nous songeons aux premières sociétés, que y aurait les sociétés primitives. Nous songeons comment les communautés qu'on a vivent par ordre, par groupe, et étaient en pile violence, parce que c'était des gourmets pour territoire, c'était des gourmets pour richesse. Et puis à un certain moment avec évolution, donc on dit œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent, ça y aurait la loi du talion. Justement. Et puis à un certain moment, dans évolution société, individu vin wè que li important pour yo mettre yo ensemble pour yo mettre différence yo avec ressemblance yo ensemble pour yo faire en société justement pour yo capable sentir yo en sécurité. Et sentiment d'insécurité ça son sentiment qui fondamental pour être humain. Son sentiment qui fondamental. Donc lors sentir en sécurité ou capable épanoui puis bien ou capable non mais ou prêter ou pi à l'aise par exemple une bagaille qui à la base et bon font petit parler de ça tout petit c'est migration en masse et bon monde qui a quitté pays aller l'autre côté c'est un sentiment de sécurité que le monde n'a pas gagné parce que l'autre côté l'autre bord de l'eau j'ai qu'on relé le pays étranger a li bay moun sa yo un sentiment de sécurité qui fait que c'est pas que pas gagne violence l'autre côté c'est pas que pays étranger pas gagne violence mais moun lan li senti que am ka marcher jamblé que m'pa pral marcher dans la rue et puis on graine balle à effleurer ou bien prendre ou bien si yo pote atteinte à intégrité physique morale ou soit psychologique moins m'gen des distances pour m'aller pour me porter plainte donc sentiment de sécurité en li capital. OK. Donc comprendre que sentiment de sécurité dans société son bagay qui capital, qui important et nous remercions parce que tu fait ti causerie ça avec nous Peterson en ténor et n'a promesse ou même tout mais qui t'a fait émission hein. Et peut-être c'est bon dernière fois Peterson. Ah peut-être que c'est pour une dernière fois, il est toujours disponible, c'est un plaisir pour moi pour me faire mode échange ça yo pour me parler sur ça moi connais et sur ça moi vive. Et qui te remercie tout le monde qui t'a regardé ou soit qui t'a attendu ou de la télévision ou soit ou sur réseaux sociaux et me salue et me souhaite que tu es content et tu parles yo et comme mon dernier message et m'a ba ensemble avec monde dans quartier et défavorisé yo c'est ta et vraiment et c'est qu'un be force ça. C'est qu'il y a une force face à la situation d'adversité, ça, qui c'est la violence que ça nous a parlé. Hein. Parce que moi, je suis certain que la force ça est capable vraiment de propulser avec un changement, capable de propulser avec une autre forme de situation. D'accord. Merci, Peterson, parce que vraiment, nous n'avons pas gagné en pile temps. Et merci vraiment pour ce côté, accepter, faire échange ça avec nous. Et merci encore, même qui t'a suivi, émission, l'interview. Je m'adore, t'es branché, Télévision Pacifique, pour reste programmation.